180 migrants ont été secourus lundi par la marine maltaise. Répartis sur deux embarcations de fortune, ils ont frôlé la noyade. Ils ont été débarqués à Malte dans la soirée. Un autre groupe de migrants demeure lui bloqué en mer depuis plusieurs jours après avoir été secouru par les ONG allemandes Sea-Watch et Sea-Eye. Malte et l'Italie ont tous deux refusé de les accueillir. En temps normal, un bateau qui transporte à son bord des réfugiés secourus en urgence devrait avoir le droit d'accéder à un port. Et nous n'arrivons pas à expliquer pourquoi les autorités maltaises nous ont refusé ce droit. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a également appelé les pays européens à accueillir les migrants avant que les conditions météorologiques ne se dégradent en mer. Selon l'Organisation mondiale pour les migrations, 1300 personnes ont péri en 2018 en tentant de traverser la Méditerranée.